Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les mecs. On se trouve enfin pour une vidéo en carte les mecs. Vous me l'avez tellement demandé à chaque fois que j'allais au circuit et que je vous teasais le circuit. Vous m'avez dit ouais, fais une vidéo au circuit, tue le circuit. En plus il est connu, si vous reconnaissez c'est quel circuit les mecs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Déjà je vais voir s'il y a des mecs chauds en carte. Si je vous fais cette intro les mecs, déjà c'est pour vous dire abonnez-vous à la chaîne. On est bientôt 100 000, je fais super rapidement. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Si à cette vidéo il y a 91 000 abonnés ce soir, je vous fais un petit concours sur Instagram. D'ailleurs il y en a un qui est encore actif pendant 3 jours et j'en relance un si vous êtes chaud sur mon Instagram. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. On se dit qu'à quoi 2500 pouces bleus, je reposte une vidéo en kart. Bref, j'ai surtout besoin de ceux qui font du kart pour me donner les trajectoires sur circuit, de comment prendre les intérieurs, les extérieurs, les vibreurs ou freiner pour essayer d'améliorer mon chrono. Et pourquoi pas se faire une petite série au karting. Toutes les semaines, tous les mois, on se fait une petite compilation, on essaye d'améliorer le chrono. Et pourquoi pas inviter des autres youtubeurs et se faire des petits feats au karting et des petits 1v1, hein, ça pourrait être cool. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc vraiment les pro karting, même ceux qui font de la moto sur circuit, qui font tout ce que vous voulez sur circuit, mettez-moi des conseils en commentaire de comment bien rouler, comment bien prendre ses trajectoires, les dépassements et tout, parce qu'en vrai c'est un monde qui me passionne. En plus je commence à regarder les grands prix de F1, c'est un truc de fou. Bref les mecs, vous inquiétez pas, c'est une chaîne moto, donc il y aura pas du karting toutes les semaines, peut-être une fois par mois si ça vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. Je vous laisse avec cette petite vidéo. On se dit qu'il y a quoi, allez vas-y, 10 000 pouces bleus. J'essaye de négocier, d'aller vite fait avec la 50 sur le circuit, voir s'il y a moyen de faire des petites trajectoires ou quoi. Bonne vidéo à tous, venez sur Instagram, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Surtout, je vous attends en commentaire. Merci à tous, c'était Léo. Bonne vidéo. Perfect. Ah, ok, ok. Allez, ça part. Oh, ça fait longtemps que je peux pas rouler là. Oh, j'ai de l'eau. Oh, bordel. Ok, là ça part. Oh bordel. Oh bordel. Ok, il est complexe ce virage, parce qu'on prend beaucoup de vitesse. Ok, c'est là que j'ai cartonné la dernière fois. C'est moi où j'en ai dépassé pas mal là déjà. Y'a un mec, ça fait déjà genre la cinquième fois qu'il roule ici. Je pense que c'est lui qui aura le meilleur temps. Bon, on va essayer de faire de notre mieux. Hein. Putain, la GoPro elle se barre. Vas-y, je vais péter un câble. Oh, oh bordel, ça va taper là. Ok. Ben, pour faire un bon chrono et en même temps se concentrer sur la caméra. Ok, j'ai fait une 43. Ah ouais, c'est pas bon une 43. Moi, mon meilleur score ici, c'est une 36. On a pris l'intérieur. Ouais, celui-là, je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Le mec, il va mettre tout son chrono sur l'excuse de la GoPro. Si, qui nous ont dit qu'on pouvait prendre la vitesse max du kart. Ok, on va faire un move. Ah, c'est dangereux. Ouah. C'est passé. Bon, je pense que là on va plus faire des dépassements que de faire un chrono.
Trop compliqué de tout concentrer en même temps. Ok, là c'est risqué s'il prend l'intérieur. Les gens ils roulent pas très fort aujourd'hui. Une fois j'ai roulé dans une session, je vous raconte pas. Les mecs ils étaient là que pour tryhard, c'était incroyable la session. J'arrive un peu fort dans celle-là. Putain, je vais devoir lui couper la route le pauvre. Ah ouais non je peux pas. Wesh wesh. Ouais non mais c'est quoi tes trajectoires frérot? Putain il m'a fait perdre des secondes lui. Qu'est-ce que je nous fais ici? Vas-y, je suis pas content de ma session. Bon, on va essayer de bien le prendre pour une fois celui-là. J'arrive peut-être un peu fort. Ça passe. Un peu le seum, c'est pas grave, hein. J'ai fait un 40. Ah ouais, j'arrive un peu fort pour elle là. Wesh wesh wesh. Ah ouais non elle nous a fait quoi celle-là? Voilà laisse tomber mon tour il est niqué. Ouais en fait pour faire un méga chrono ici ça dépend sur qui tu tombes hein. Ça dépend qui t'as devant toi et tout je pense hein. Et sinon j'ai aucun collègue à moi là qui est là. Moi je roule tout seul eh. Ok, on va essayer de checker le chrono des autres pour voir qu'on est une vraie merde. Alors, 1,45. J'ai fait un 43. Bon, je vois aucun mec qui a fait un meilleur que 1,40. Ah, là, déjà, tu vois, t'en perds beaucoup. Le temps que ça drift et tout. Mais en vrai, c'est un circuit avec des quarts de lock. Faut pas beaucoup freiner, donc ça va. Limite, je freine trop. À chaque fois que je fais des sessions, je freine trop. Wesh! Wesh le bâtard! Bah voilà, qu'est-ce que t'as essayé de faire, chef? Tu passes pas un peu fort, toi? Ah ouais, là, il nous a fait du Mario Kart, le couze! Te décale pas, te décale pas, je t'en supplie, te décale pas, je t'en supplie, je suis là, voilà! Et là, ça va être la guerre pour le virage! Freine, je t'en supplie, freine! Freine! Ouais, t'as freiné! Elle a freiné! Ah, mais freine pas trop non plus! Freine pas trop le couze. Un virage brusque et je rentre dedans. C'est devant. Ah bah il est de retour frère mais il fait que de la D. Frère ils font que de la D. Oh les mecs. Derrière moi ça se tape et tout. Bah il va venir me taper c'est sûr. Ok il est... Oh putain il y en a un qui est juste derrière moi. Hey, il est derrière, il nous fait que de la dé, frérot. Il renverse tout le monde pour passer. Ah non. Ah non, mais là, on s'amuse bien. Ouais, 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 ouais. Ok, m'en fous du chrono, maintenant, c'est lui mon adversaire. Il a pris mon aspiration ou quoi ce bâtard? 1,43. Putain, je vois du 1,38. Ah voilà, eux ils passent et moi je passe pas. Bah voilà, putain. Ils passent tout sauf moi, mais non. Oh non. Eh, hey, ils ont déjà le permis, hein. Moi j'ai que le permis moto, on se calme. Hein. Wesh, elle freine devant ou c'est comment? Mais frérot, ils freinent les couzes ou il y en a aucun qui freine là? Je suis sûr, t'as un mec comme Romain Monti, vient là, il dit non, mais sur le circuit, faut pas freiner hein. Avec des cartes de lock comme ça. Mais regarde là-bas.
ça passe par Livre Libreur et tout, hein. Après, moi, je me suis fait bloquer, vas-y. Eh, ce virage-là, il fera toujours tomber la GoPro, hein. Bon, prochain tour, c'est la fin. Dernier tour, les mecs. Tant pis. Ouais, il a fait un 38 et moi, je suis un 41. Bon, tu vois, ça veut rien dire, hein. Une fois je suis venu, j'ai fait 4 secondes de mieux, hein. J'ai fait un 36. Ce qui est bien avec ici, c'est qu'il t'envoie tes performances sur ton adresse mail. Il t'envoie tes PR chaque tour, par tour et tout. C'est ça qui est énervé avec ce circuit. C'est pas mon pote qui aurait fait un 3-6 là-bas. Regardez-le. Ah bâtard, t'as essayé de me prendre l'intérieur, hein. Vous l'avez vu ou pas celui-là? Je crois qu'une fois, faudrait que je fasse un tour sans freiner, vraiment. Je fais tout le tour sans freiner à part là-bas. Parce que là-bas, il faut, mais... Ouais, je pense que vrai, je freine trop. Y'a que lui, c'est le plus compliqué. Bah, je lui ai mis des secondes à celui qui était derrière. Et voilà, c'est la fin. Et c'est dingue, mais le kart, c'est vrai qu'il ralentit tout seul avant la fin. Bon, tant pis, on s'est bien amusé, hein. Bon, y'en a qui a fini dans l'herbe. Ça, c'est la mini-piste. Il faisait chaud. Moi, j'ai dû en freiner pour pas en tuer quelques-uns, donc ça va. Les mecs qui viennent devant toi, ils freinent. Non mais moi, hey, tu sais, on arrive à 3 bombes derrière une meuf. La meuf, elle freine. Tout le monde accélère, t'es obligé de freiner.